Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour l'Europe dans tous ses états. À Budapest, capitale de la Hongrie, ce pays de près de 10 millions d'habitants fait désormais la une de l'actualité en raison de sa politique migratoire très musclée. Et puis il y a des années que son premier ministre, Viktor Orban, inquiète ses voisins européens. Alors nous ferons le point sur la politique migratoire de la Hongrie, mais aussi sur la liberté de la presse dans ce pays à travers nos reportages. Et puis nous irons comme toujours à la rencontre de jeunes de Hongrie. On commence par un jeune sociologue à Goshton que nous présente tout de suite Claire Williams. Nul besoin de grosses chaînes pour accrocher le fidèle destrier d'Agoshton. Si beaucoup de Hongrois préfèrent les grosses motos, lui, son truc, ce sont les mobylettes. Les gens ont tendance à mépriser les mobylettes, mais c'est pas très logique parce que c'est rapide, c'est pas très cher. Et le jeune homme ne se contente pas d'aimer ses deux roues. Il s'est donné une mission, les remettre au goût du jour. Il y a un an, Agoshton a lancé le premier blog hongrois consacré aux mobylettes, déjà plus de 1200 clics par jour. Un succès qu'il aimerait aussi rencontrer avec sa principale activité, la sociologie. Le public de la sociologie, ça se rétrécit. À la fin des années 80, la sociologie avait un impact beaucoup plus important sur les affaires, sur les choses de la société. Agoshton parvient tout de même à se faire entendre au travers de cette revue gratuite. Pas facile pour autant de vivre de son activité. Le jeune homme a du mal à obtenir des bourses et pour ce cours hebdomadaire, il touche moins d'une centaine d'euros par mois. Mais la sociologie reste une passion. Alors pour Agoshton, c'est une évidence de chercher à la transmettre. Les interprétations peuvent être différentes selon le traducteur dans chaque langue. C'est donc super d'avoir Agoshton qui cherche à uniformiser tout ça. Quand il bute sur une recherche ou un article, le sociologue aime prendre l'air tard le soir, à l'heure où les rues sont vides. Ça me donne l'occasion de méditer un peu sur les grandes questions de l'existence humaine. Un jour, la police lui a demandé ce qu'il faisait dans la rue seul le soir. Agoshton leur a simplement répondu qu'il méditait sur le sens de la vie. Agoshton, ravi de te rencontrer, bonjour. Bonjour, étudiant en sociologie. Il y a pas mal de choses à observer dans ce pays déjà, hein. Et en particulier cette gare, Keleti, qui t'évoque des souvenirs. Oui, cette gare, c'est un lieu symbolique du point de vue de la migration. Donc il y a des semaines, des migrants traînés par terre, partout. Ils ont été aidés par des ONG, donc il y a une forte mobilisation civile, et dans une moindre mesure, par le gouvernement. Alors, votre Premier ministre, Viktor Orban, il a exprimé des propos très anti-migrants et puis il a d'ailleurs mis en place une législation tout à fait défavorable qui criminalise le fait de rentrer en Hongrie. Est-ce que ça correspond au sentiment de la population et de la jeunesse en particulier ? Oui, le problème, que ça correspond parfaitement au sentiment de la population. Donc maintenant, les règles sont devenues beaucoup plus strictes et les gens, la population, est très très méfiant dans cette question. Et tout ce sentiment anti-migrant est renforcé par une campagne de la part du gouvernement. Ils ont mis des affiches anti-migrants en hongrois avec des messages comme « Si tu viens en Hongrie, il faut que tu respectes notre culture. Tu ne peux pas prendre le travail des gens. » Donc tout ça, c'était destiné à un usage politique. Agoshton, c'est vrai que la Hongrie est devenue le premier pays d'accession par voie de terre à l'espace Schengen. Et du coup, plus de 300 000 migrants sont passés par sa frontière ces derniers mois, à tel point que le gouvernement Orban a décidé d'une législation anti-migrants et puis surtout, il érige des murs tout autour de ses frontières dans les communes limitrophes de ce mur. Les maires sont très partagés, comme nous le montre ce reportage signé Alix Le Bourdon. Dans cette tranquille bourgade croate, la scène était devenue habituelle. Ce jour-là, près de 2000 migrants descendent du train, à pied, direction la frontière hongroise. Ils font partie des derniers à emprunter ce passage,
Depuis, la Hongrie a fermé sa frontière avec la Croatie. Bayrak arrive tout droit de la ville de Sueda, au sud de la Syrie. Le jeune ingénieur a fui les combats, aux côtés de son père et de deux amis. Plus que quelques centaines de mètres avant l'espace Schengen, pour Bayrak, le voyage a été périlleux. Pourtant, il appréhende le passage de cette frontière. On a entendu beaucoup de choses à propos de la Hongrie. On a vu cette journaliste qui a donné un coup de pied à un Syrien. On a aussi vu beaucoup de vidéos où la police attaque les migrants. Fin septembre, le Premier ministre hongrois a autorisé la police à employer la force si nécessaire. Après la frontière serbe, il ordonnait également la construction d'une deuxième barrière de barbelés, ici, le long de la Croatie. C'est ça la frontière, non ? Ok. Je pense qu'ils vont être gentils. Enfin, j'espère. I hope so. Comme tous les autres, Bayrak ne verra de la Hongrie que la gare de Zakány. Il va y prendre un train, direction l'Autriche. Avant que la barrière ne soit érigée, les migrants traversaient ce village à pied. Un souvenir vif pour cet employé municipal qui reste partagé sur le traitement de la crise migratoire en Hongrie. On ressent de la compassion envers les gens qui arrivent des zones de guerre. Mais nous ne pouvons pas dire s'ils sont tous Syriens. Peut-être qu'ils viennent d'autres pays, mais comme ils n'ont aucun document sur eux, on ne peut pas contrôler. Plus à l'est, toujours sur la frontière croate, le maire de Béremend approuve totalement la politique du gouvernement. Une équipe de France 24 avait rencontré cet élu du parti au pouvoir courant septembre. La barrière était alors en cours de construction près de sa ville. Il faut à tout prix mettre un terme à cette vague migratoire. Si l'UE est incapable de protéger ses frontières extérieures, ça va créer d'énormes problèmes. On constate déjà qu'ils arrêtent des terroristes ici ou là. Aucun pays n'a besoin de ça. Encore plus à l'est, aux confins des frontières serbes et roumaines, nous rencontrons Robert Molnar. Ce maire sans étiquette ne s'est toujours pas fait à la barrière qui longe son petit village depuis fin août. C'est surtout une clôture mentale qui s'est créée. La Hongrie est en train de se ghettoiser. Il tient à nous montrer ce monument, le triplex, portant les emblèmes des trois pays, Hongrie, Serbie et Roumanie. C'est ici que chaque année, un pique-nique géant était organisé avec deux communes limitrophes. Depuis la construction de la barrière, le maire n'a plus de contact avec ses homologues des bourgs voisins. Ils étaient pourtant devenus amis. Ils ont peur. Je n'arrive plus à les avoir même au téléphone. D'ailleurs, c'est cette peur insidieuse qui envahit toute la Hongrie. S'il n'y a pas un renouveau moral, ce pays va sombrer pour de bon. Le maire avait de grands projets en coopération avec ses voisins, la construction d'un parc industriel et de nouvelles routes. Il voulait aussi ouvrir son école aux enfants de langue hongroise vivant de l'autre côté de la frontière. Ça va changer nos plans. La clôture est un mur, pas un pont. Nous ne pouvons pas espérer un avenir si nous construisons des murs à la place des ponts. Ancien député du parti au pouvoir, le maire a pris ses distances en 2002 lors du virage nationaliste du Premier ministre. En mai dernier, Viktor Orban lançait une consultation nationale controversée sur l'immigration et le terrorisme. Aujourd'hui, cette affiche est placardée partout. Le peuple a choisi. Il faut défendre le pays. À Goshen, on n'est pas vraiment servi par le temps après ce reportage, mais on est quand même dans un des plus beaux endroits de Hongrie, au-dessus du lac Balaton, qui est en fait un haut lieu de villégiature de tous les Hongrois pendant l'été. Oui, ça c'est sûr. Le temps n'est pas forcément idéal pour une dégustation. On est juste au bord du lac Balaton, qui est le lac le plus grand de l'Europe de l'Est. Il est de 70 km de longueur. Et ça c'est vrai qu'il y a de plus en plus de gens, plus en plus de citadins qui souhaitent profiter de la beauté de la nature. On se pose beaucoup la question de la véritable liberté et de presse et de pensée dans un pays très largement dominé par un parti très puissant, de droite.
Oui, ça risque de poser problème au niveau de l'autocensure. Face à un pouvoir très, très puissant, les gens n'osent pas tout dire. Donc, l'autocensure, ça c'est une chose. Autre chose, c'est le financement des journaux et des médias. Donc, si tu ouvres un journal de droite maintenant, tu y verras des publicités de compagnies, de sociétés publiques. Proche de Viktor Orban, on l'a compris. Alors, avant de retourner à Budapest, rencontrer un député Fidesz, eh bien, je te propose quand même de goûter les vins locaux. De quoi s'agit-il exactement dans ce magnifique domaine de la Posa? On a le droit à... Ouais, ben, tout d'abord, ça s'appelle Frisch, c'est une Riesling, c'est un vin fruité. Frisch, c'est ce qui est le plus vendu, en fait, voilà. À l'international. Voilà. Et toi, qu'est-ce que tu prends? Là, je vais prendre un vin blanc qui est plus typique de la région. Ça s'appelle Kekkonen. D'accord. Ah, très, très bien. Ben, alors, il est temps de trinquer. Comment est-ce qu'on trinque? Agashigadra. Agashigadra. Vérité, ouais. La rencontre avec le député européen. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu vas lui dire? Ben, j'ai un peu la trouille. Je vais lui poser des questions sur la situation des médias en Hongrie, la nouvelle constitution. Et on sait qu'il a, il a quitté le pays en 1950. Donc, je vais essayer de voir comment ça pourrait être relaté avec cette situation d'immigration maintenant. Bonjour, monsieur Schöpflin. Je suis Agoston Faber. Ravi de vous rencontrer dans un de nos fameux ruinbars à Budapest, le Puderbar apprécié des touristes et des locaux. Très bien, je suis ravi d'être ici. Je suis monsieur Schöpflin, membre du Parlement européen. Donc que vous ayez voté pour moi ou non, je vous représente de toute façon, car la Hongrie est constituée d'une seule circonscription pour les européennes. Je représente tous les électeurs, qu'ils m'aiment ou non. Certains me détestent. Je commencerai par une question très personnelle, si ça vous convient. J'ai trouvé sur Internet que vous avez quitté la Hongrie en 1950. En réalité, c'était en 1949, au moment de la prise de pouvoir par les communistes. Et malgré les complications, mon père a été capable de nous exfiltrer vers la Suède, où nous avons passé presque un an. Et puis nous sommes allés au Royaume-Uni en 1950. Puis je suis resté britannique, bon an mal an, jusqu'en 2004. Depuis, je suis toujours en faveur de l'intégration européenne, mais peut-être pas aussi enthousiaste que je ne l'étais il y a 10 ans. Justement, passons à la crise des réfugiés, si je peux l'appeler ainsi. Ah, vous l'appelez crise des réfugiés? Oui, d'ailleurs, ce serait ma première ou seconde ou question initiale. Comment vous nommeriez cette crise? Ne doit-on pas traiter les migrants comme des êtres humains et faire de notre mieux pour eux? Donc, en d'autres mots, l'Europe doit sauver le monde? Honnêtement, je ne me souviens pas que nous, les Hongrois, ayons eu une seule colonie à travers le monde. Donc je ne crois pas que la Hongrie ait d'obligation de dette particulière, comme l'aurait la Grande-Bretagne, la France, les Pays-Bas, ou même l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal, la Belgique. Même les Danois avaient un petit empire esclavagiste. Donc je pense que notre position en Europe est très différente à cet égard. Et oui, bien sûr, nous devons protection à ceux qui sont victimes de persécutions politiques ou dont les vies sont vraiment en danger. C'est une autre histoire. Mais je ne crois pas qu'il soit la majorité, à peine 30%. J'ai un autre chiffre à vous soumettre. En 1991, la Finlande a accueilli 49 Somaliens. Aujourd'hui, ils sont 16 000 sur son sol. Et ça vous montre qu'il y a un effet multiplicateur. Et je ne crois pas que l'Europe peut vraiment absorber cela. Donc, de votre point de vue, comment l'Europe gère-t-elle cette situation? Et dans ce cadre, comment la Hongrie traite-t-elle le problème? L'Union européenne s'en sort très mal. Point final. La Hongrie devrait-elle donner la priorité à la compassion ou à l'état de droit? N'oublions pas la responsabilité politique que le gouvernement a envers ses électeurs et sa société. C'est le foutoir. La Hongrie est attaquée, critiquée, dénigrée.
car elle est vue comme un État autoritaire et injuste envers les migrants. Mais nous aurions très bien pu être critiqués pour ne pas les avoir enregistrés selon les procédures de l'espace Schengen. Oui, je voulais aussi vous poser une question sur les médias publics. Selon mon expérience, les médias sont depuis un certain temps sous l'influence du gouvernement. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Les médias publics sont dominés par le gouvernement. Quand la gauche est au pouvoir, elle nomme des gens de gauche. Quand c'est la droite, elle nomme des gens de droite. Moi, je ne regarde jamais la télévision. Franchement, je trouve que c'est une perte de temps. Mais je crois que ce qui est important, et cela fait partie de la sphère médiatique hongroise, c'est qu'environ 70% des gens ont accès à Internet. Cela signifie qu'ils ont accès à une très grande diversité d'informations. Merci beaucoup, Monsieur Schopflin. Alors, Agoston, est-ce que tu t'es laissé convaincre par les arguments de ce député européen du Fidesz, ce parti très majoritairement au pouvoir ? Oui, j'ai obtenu des réponses, bien sûr, mais on n'était pas d'accord sur plusieurs points, mais c'est ma perception de la démocratie, donc ça ne me pose pas de problème. C'est ta perception de la démocratie, Agoston. Merci de l'avoir formulée en notre compagnie. Ça n'est pas forcément la perception de tout le monde ici en Hongrie. Ce pays regardé de très près par le reste des Européens, et ce depuis des années. Et nous allons continuer à le redécouvrir dans la seconde partie. C'est juste après la pause. Vous restez en notre compagnie.